Salut la marmite, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, un petit vlog. Je commence à être habitué maintenant sur la chaîne. Cette fois-ci, on va aller, comme j'habite pas très loin, moi j'habite à Montrouge et il y a le stade Charletti pas très loin avec le Paris FC. Donc je vais aller voir un match du Paris FC. C'est le match de Coupe de France contre Saint-Etienne. Donc on, voilà, on sait que le stade de Ligue 2, le stade du Paris FC, c'est pas forcément une des plus grosses ambiances en France. Hein. C'est même une des pires dans le club professionnel. Et justement, bon, on va voir ce que ça va donner avec les Stéphanois qui vont sûrement mettre le feu. On sait qu'il y a une grosse communauté, beaucoup de Stéphanois qui sont sur Paris. Donc ça risque d'être sympa. Donc là, j'ai une petite demi-heure de marche. On va aller jusqu'au stade Charletti et on va voir un peu ce que ça donne. Donc Paris FC Saint-Etienne, on en est au 16e de finale de la Coupe de France. On a un Saint-Etienne qui est 15e de Ligue 1. Ça va pas très bien. Elle a 3 défaites d'affilée en Ligue 1 pour Saint-Etienne qui est que 15e au classement de Ligue 1. Mais un Saint-Etienne qui continue de gagner en coupe, qui a notamment battu Bastia Borgo au tour précédent 3-0 assez facilement. Et d'un autre côté, on a le Paris FC. Alors Paris FC, ce club, pas grand monde connaît ce club, c'est un club qui a très peu de supporters. En fait, c'est un club qui avait fusionné, c'est la fusion entre le Paris FC et le club de Saint-Germain à l'époque qui a créé le Paris Saint-Germain. Mais le Paris FC a fait un peu une douille au PSG. Le Paris FC a gardé son statut indépendant et le Paris Saint-Germain avait été relégué en 3e division. Mais l'histoire, on la connaît. Maintenant, c'est le Paris Saint-Germain qui est le grand club de Paris. Et le Paris FC, bah, c'est un club qui végète en National League 2. L'année dernière, ils étaient en barrage pour la montée en Ligue 2. Mais ils n'ont pas réussi à concrétiser cette belle année. Et cette année, ça va pas du tout. Hein. Ils sont avant-derniers de Ligue 2. Ils viennent d'être repris par René Girard, enfin, nouvel entraîneur maintenant, René Girard. Bon, en tant que supporter montpelliérain, hein, ça va faire plaisir de voir le René sur le bord de touche. Et bon, c'est une équipe aussi où on connaît des noms, hein, on connaît des noms. Il y a quand même Jérémy Ménez qui a rejoint le Paris FC. Enfin, c'est un joueur, ça va être intéressant de le voir évoluer. On va suivre particulièrement ce qu'il va pouvoir faire. Mais sinon, voilà, un PFC qui va pas bien du tout. Une Ligue 2 contre une Ligue 1. Saint-Etienne a l'air d'être assez chaud en coupe. Et comme la saison va pas très bien à Saint-Etienne, le maintien est quasiment assuré. Bah, ils vont se donner à fond. Alors que passe devant la maison de la Corée parce qu'on a cité universitaire. Petite dédicace à notre petit Youn, le nouveau joueur de Montpellier. On a recruté un Coréen. Voilà, ça fait toujours plaisir. Pas de Coréen aujourd'hui, hein, pas de Coréen sur le terrain. Alors que regardez, on voit Charletti là-bas, on voit les néons de Charletti. Eh, c'est vrai que j'habite pas loin et je m'étais jamais chauffé à aller à Charletti. Donc là, je me suis dit, un petit match de Coupe de France en plus contre Saint-Etienne. Voilà, je vous ai pas fait la présentation de Saint-Etienne, hein, mais Saint-Etienne, c'est un des plus grands, et pour certains vous diront que c'est le plus grand club de France. Ça devrait être une promenade de santé pour Saint-Etienne. Mais bon, hein, c'est un match de coupe. On espère qu'on aura des prolongations, des tirs au but, comme ça on va bien s'éclater, comme je suis pour aucun de ces deux clubs. Allez. Voilà donc installé dans ce fameux stade Charletti. Vous pouvez le voir, on est sur le côté où les tribunes sont ouvertes. Il n'y a qu'un côté du stade qui est ouvert. J'en discutais avant derrière avec les supporters stéphanois. C'est vrai qu'il n'y a pas de déplacement parce que dernièrement il y a eu pas mal de grabuges à Saint-Etienne et du coup pas de déplacement des supporters stéphanois. Donc c'est dommage. Le placement est libre donc ça m'a permis de me mettre plutôt
plutôt bien. Après, on est quand même assez bas. C'est vrai qu'on voit, on voit pas. Enfin, on a directement les bancs des Parisiens et des Stéphanois. Donc ça cache un peu. Au niveau peut-être plus haut, ce serait peut-être mieux. Je sais pas. Je vais voir si je bouge. Comme je disais, à Paris FC, il hein, y a des noms qu'on, qu'on reconnaît quand même. Hein. Martin, qui jouait à Sochaux avant, petit 3 pas, à Rennes. International burkinabé, Nomen Janari, international malgache que vous avez peut-être vu durant la CAN là dernièrement. Et puis bon bah Menez hein, Menez. Ils ont une petite équipe, c'est fou qu'ils soient aussi loin en Ligue 2. Alors c'est autour de la compo stéphanoise. Bon, ça a l'air d'être l'équipe plutôt type hein. Ouais, du Trauco, du Cabaye. Kazri, bon, ça a fait tourner un peu, on a. J'ai l'impression. On a quand même du coup Cabaye ici et Menez là-bas, donc des anciens de l'équipe de France. Hein. C'est quand même assez fun. Même au Paris FC, on voit le Paris Saint-Germain. Ah, ça se réveille là-haut là. J'ai trouvé des Montpellierins. Hein. Donc voilà, je suis content. Voilà. Allez René, allez René. J'avais pas tilté, c'était la première de Gérard à domicile. Du coup, je suis allé autant de fois que lui à Charletti. On découvre Charletti ensemble. Le René, j'avais pas fait un zoom sur lui. On t'aime René. Et c'est parti. Quelque chose comme ça.
On sent que ça va être dur pour Paris, mais bon, quand même, hein, ils ont leur mal. Et les Stéphanois, un peu en galère quand même. Hein. C'est quand même le truc qu'il faut regarder, Johan. Ans, j'ai encore envie. Alors, petit fun fact, ils ont fait cramer plus ou moins leur vache. Du coup, chacun a fumé, mais ils ont fait un peu cramer la vache après. Ouais, c'est pas. C'est compliqué. Il y a de l'espoir. Bon, il reste 4 minutes, même pas. Toujours 3-2 pour Sainté, là, ça sent très bon pour Sainté, hein, parce que Paris, là, bah, ils peuvent plus. Enfin, franchement, ils jouaient pas mal en contre-attaque et tout. Là, Sainté, il reste bien en bloc et je pense que Sainté va le faire. Petit débrief de ce match, la victoire finalement, après un peu de suspense de Saint-Etienne, ici à Charletti contre le Paris FC, dans le 14e arrondissement de Paris. Et franchement, je ne m'attendais pas à m'éclater autant. Je pense que je vais faire une vidéo. Mais en vrai, quand je suis parti tout à l'heure, j'étais en mode, je savais même pas si j'allais faire une vidéo, parce que c'est là, ça allait tout claquer et tout.
y a des trucs claqués un peu. Il n'y a qu'une tribune d'ouverte, ils ont même pas réussi à la remplir. En vrai, le speaker, il fait un peu de la peine, tu vois. Il est en mode Paris, machin, et la moitié, c'était stéphanois. Enfin, bref. Mais un match très sympa sur le plan du jeu. Enfin, je veux dire, les stéphanois sont fait peur. Paris, ça a plutôt bien joué. Avec bon, un Ménès qui marchait beaucoup, surtout à la fin, mais qui s'est donné devant avec, ouais, Pistroipa, Nomenjana Harry, là, le malgache. Pas mauvais du tout. Bon, j'ai un peu passé la moitié du temps à me marrer avec les Montpelliérains à côté de moi, à parler de Montpellier, de se marrer sur René, Girard. Enfin, bon, ça c'était très cool. J'ai eu pas mal de chance à ce niveau-là quand même, parce qu'il faut le faire pour tomber sur des Montpelliérains quand tu vas voir un match à Charletti comme ça et que tu te places au pif. Bon. Oui, d'ailleurs, petit point logistique. C'est là où, franchement, si vous habitez à Paris, franchement, ça coûte. Là, le billet, il m'a coûté 16 balles. Et je pense que c'est encore moins cher quand tu vas voir un match de Ligue 2. Bon, après, c'est pas du grand spectacle, tu vois, mais... Mais voilà, bah, en tout cas, j'ai passé un bon moment. Je commence à me cailler, là, un peu. Le retour va être un peu frigorifié. Je vous invite à aller voir mes autres vidéos si vous avez kiffé mes autres vidéos style vlog. Notamment, j'étais au Japon. J'ai fait un match de foot au Japon. C'était très, très cool. Et abonnez-vous, bien sûr, si vous avez kiffé. Et je vous dis à la prochaine.